Et donc bonjour à tous et à toutes, c'est Enage, j'espère que vous allez bien. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le quatrième épisode de l'acte 1 du roi. Allons-y. Alors, le bois des mille arbres. Trouve le parchemin magique dans le bois des mille arbres. Très bien. Il y a bien longtemps, un parchemin magique fut caché dans le bois des mille arbres. Aujourd'hui, nos sages prétendent qu'il a le pouvoir de démasquer les plans du sorcier. Trouve le parchemin à travers la forêt labyrinthe. Très bien. Alors, on a pu remarquer qu'il y avait une brique rouge aussi à récupérer. Alors, hop, on a que... Ok, on a que ça. Et donc là, ok, on ne peut pas construire le château. Donc on ne peut, pourra pas avoir d'autres ouvriers. Donc les ouvriers doivent être protégés ainsi que le roi. Donc là, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, priorité, on a 1000 d'or. On va pas tout dépenser. Il nous faut absolument une hutte de bois là pour récolter du bois, sinon bah on n'a pas d'or. On n'a pas d'or, donc ici, vous on va vous rapprocher à fond. À fond, à fond. Hop, on va même mettre une tour directement. Une tour là. Voilà. Déjà là on est bon en termes de défense. On n'a pas à se plaindre. On va même demander à notre roi de rajouter de la forêt. Voilà le pouvoir du coup de la forêt dont je vous parlais la dernière fois. Hop. Donc voilà. Là on a de quoi faire un peu d'or. On va demander maintenant à faire une ferme. Au moins une. Et voilà. Donc là on va rester comme ça en défense. Ce serait bien que le roi évite de trop se battre. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sinon le roi en écart. À l'écart. Je pourrais pas le perdre. Tant pis pour les troupes, j'ai une tour. On va mettre une caserne ici. On va se dépêcher, on va me demander au roi de nous aider. Toi, voilà, on va essayer de les espacer parce que sinon ils se bloquent entre eux. Voilà, on a une petite caserne. On va se dépêcher même tout de suite. On a même les archers maintenant. On va faire cheval, archer, cheval. Voilà. On va reconstruire une ferme ici. Là, les ouvriers sont vraiment à garder, ils sont très importants. On se fait attaquer, ce sont des arbalétriers. Alors, le roi veut attaquer. Non, pas. Alors, soigne. Utilise ton pouvoir. Hop, hop. Il a perdu un petit peu de vie, mais c'est rien. Pareil, tout ce qu'il a. Très bien. Alors, on va demander, par contre, à ce que ce petit beau monde se déplace. Voilà, hop. Toi, tu vas me continuer à me construire des fermes. Alors lui, le problème, c'est qu'il faut pas qu'il s'éloigne trop. Il faudrait pas tomber sur des méchants. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite envoyer un éclaireur en attendant. Voir un peu ce qui se passe dans cette forêt. Je suis pas, honnêtement, je suis pas spécialement obligé de suivre le chemin, mais je vais le faire. Alors là, on a beaucoup d'arbalétriers. Vous pouvez voir qu'ils sont en vert. Ils sont pas en rouge comme d'habitude. Hop. Voilà. Bon là, sur ce coup-là, je vais envoyer toute l'armée parce qu'il y a pas mal d'arbalétriers. En parlant de ça, vous savez quoi? Hop, regardez. On va passer par là. Voilà, directement, au lieu de faire le tour. Voilà, ils sont là. Allez, hop. On va les attaquer. Là, je vais perdre un cheval. Non, c'est bon, même pas perdu. On va redemander d'y retourner, d'aller voir le roi pour se faire soigner. On reconstruit une dernière petite ferme. Ça, on est sûr d'avoir ce qu'il faut. On va refaire cheval et archer. Hop. Et voilà. On est bien là. On est très très bien. On va redemander une caserne, hein, juste pour dire. Voilà, comme ça. Au mieux trop que pas assez. Hop. Alors faut que j'observe bien aussi pour les collectibles. Ah, une tour et demie. Voilà. On prend cher quand même. J'ai pas une très grosse armée, mais bon. C'est pas mal. Déjà, on va pas se plaindre. Bon, on sait que les ennemis protègent cette forêt. Ok, encore une tour.
Je sais pas si je vais trouver un campement comme un peu le nôtre, vous voyez. C'est peut-être... Oh. Non, ok, c'était une pièce. Je pensais que c'était un ennemi, vous voyez. J'ai l'œil. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est que tant pis, eux, ils vont servir un peu de... Voilà. Ah, zut, j'ai pas bien regardé, là, dans les coins, les recoins. Non. Bon, c'est pas grave, on vérifiera ça après. Là, on va passer carrément là. On va demander à couper, tant pis. Et voilà, regardez, les ennemis sont là. Hop. Là, je perds de plus en plus de troupes. Là, faut que je fasse gaffe, je vois que là-haut, lui, il commence un peu à s'éloigner, voilà, chercher le mot. On va refaire des petits archers et un cavalier. Donc là on aura une grosse armée de 9, parce que comme vous savez au total on peut avoir que 9. Voilà. 9 troupes au maximum, enfin que je peux contrôler que 9 troupes. Voilà. Plutôt ça que je veux dire. Alors, ici on a des méchants. Non. Ah, il va mourir. Non, bon, c'est bon. Okay. Récupère la pièce au moins. Ouais, très bien. Bon, voilà. Ils sont morts ici. Hop. On va demander à lui d'aller là. Vous savez quoi, on va demander au roi de la forêt ici. Hop là, à fond. Comme ça, tu vas récupérer de quoi faire de l'argent. Et toi, bah, dans le doute. On met une tour là. Juste pour dire. Hop. Là, j'ai une armée de 9 qui est complète. Et on est parti. Hein. Hop. On va leur dire ça. Mais par contre, sans oublier, je vais refaire une armée. On va faire 3. On va faire 3 de chaque en fait. Ce que je vais faire, c'est pour pas attendre 3000 ans. On va reconstruire carrément directement une autre caserne ici. Voilà. Et on va créer. Ah zut, on a plus d'argent, très bien. Ok, alors bah, c'est vrai qu'avec deux ouvriers on va pas avoir... on va partir de l'autre côté, c'est quoi. On va pas prendre tout le temps le même chemin. Oh, tiens, on va prendre ça, il y a des ennemis là. Ah, les chevaux, vraiment les chevaliers ils sont très très forts. Il n'y aurait pas de collectif par là. J'aimerais bien les trouver en même temps que de faire la mission. Ça nous éviterait de chercher en même temps. Surtout que bah, là, du coup, c'est... Ça a l'air birante. Hop. Ah, une tour. Allez. On l'a détruit. Ça, c'est fait. Encore des arbalétriers. Hop. Ils sont nombreux dans la forêt là, les ennemis. On n'est pas les seuls à rechercher ce fameux parchemin. Il y en a toujours 3 ou on a plus? On en a 3 en fait. Ça va. Alors là par contre j'ai perdu tous mes... Bon, ça, les archers sont... Je gère pas mal. Là, on a une petite pièce, on va en profiter. J'ai pas vu malheureusement la brique ni le... Le petit collectible. Le mini-kit plutôt. Ça s'appelle un mini-kit. La tour. Allons-y. Nouvelle tour. Même, vous voyez, une armée de 9. On commence à prendre un peu de tarif. Encore une pièce. On va aller la chercher. Ça, par contre, vous voyez, les archers, ça c'est vraiment pratique pour les arbres. Ça les détruit très rapidement. Encore squelette. Ah, non. J'ai perdu un archer. C'est pas bon. Alors, il y aura forcément quelque chose peut-être par là. Allez, les archers. Toujours pas le coffre. Ça mange pas ça. Et en parlant de ça, j'ai toujours pas trouvé le parchemin, moi. Non, il y a rien. Bah alors. Où est-ce qu'il est ce parchemin là? J'ai bientôt fait tout le tour de la map. Enfin, je suis pas allé au centre en soi. Allez. Mon armée va bientôt mourir. Je sais pas si utiliser le roi est judicieux. Personnellement, je préfère pas le faire.
Parce que c'est pour que le roi meure. Et qu'en fin de compte je perde la mission parce que mon roi est mort, bah ce serait dommage quoi. Souvent quand vous avez pas le château, évitez d'utiliser le roi. Utilisez-le plutôt comme une pharmacie quoi. Une pharmacie ambulante pour vos troupes. Hop, ou pour défense, voilà. Pour la défense aussi, ça marche très bien. Hop, alors voilà, revoiler les squelettes qui nous ont tués tout à l'heure. Moi je suis même pas sûr de gagner ce combat si ça va. Alors. Hop, la petite pièce. Est-ce que par là il y aurait le collectible? Non, encore une pièce. Ça ne m'arrange pas cette histoire. Bah, du coup il doit être au centre, hein, le parchemin. Ah bah le voilà. Hop là. Ah d'accord. J'ai pas pu le capturer. Donc, bah, ils vont mourir. On va prendre notre armée de neuf sans oublier où se trouvait le petit parchemin. Hop, j'ai oublié de remettre nos petits chevaux à construire. Et on va repartir pour faire une armée. Il est passé où mon roi? Il est là. Archer à fond. Voilà. On va demander au roi, dès que lui sera parti, de remettre de la forêt. Pas qu'il aille trop loin. Et voilà. C'est pratique hein, ce petit pouvoir là. Hop, là, toi tu viens là. Et ce pouvoir là, bah, il sert aussi pour faire de l'argent, pour pas que nos troupes s'en aillent trop loin. Mais c'est aussi, comme je vous avais expliqué, une façon de faire des murs pour ralentir l'ennemi. Hop, et on refait une autre armée de neuf, même si je pense pas qu'on en aura spécialement besoin. Hop, j'ai envie de sélectionner que cela, voilà. Allez, j'aimerais bien trouver quand même aussi le petit coffre. Alors du coup, il était, je crois, par là. Alors, on va pas se gêner pour tout détruire. Allez, allez, on avance, sans faire de chipotage là. Je sais qu'il est par là, mais on va quand même détruire. Voilà, il est là en haut. Voilà la tour, juste en bas. Hop, alors on va y aller tout de suite, hein, tant pis. Allez, le voilà. Et voilà, et donc là, bah... Ah, d'accord, je crois que j'ai compris. Donc en fait, je pense que c'est le roi qui doit récupérer ce... Vous voyez, le roi est... dire est obligatoire pour cette mission. On va laisser l'armée. Hop, on va demander au roi tout simplement de se déplacer. Donc en fait le roi s'il meurt on a perdu. On lui dit de venir là et eux ils vont bah, pour l'instant faire le tour hein. en espérant trouver un petit coffre. Ah bah tiens, j'ai trouvé la brique rouge. Allez vite, ça tu me les tues. Le roi normalement quand il aura récupéré. On va regarder le roi le récupérer. Et voilà. Le roi doit s'échapper avec le parchemin. Ah d'accord, on doit l'emmener tout là-bas. En fait j'ai fait le tour, on va lui dire d'y aller. Tout seul comme un grand. En attendant on va essayer de chercher. Voilà, la brique rouge elle est là. On va la récupérer. J'espère qu'ils vont rien, ils vont pas croiser d'ennemis normalement. Ça m'étonnerait. Brique rouge. Alors maintenant il me faudrait aussi... Ah bah tiens, regardez, il y a une tour cachée là. Allez, hop. Tu me détruis ça. Là, ici. Alors là, par contre, j'ai pas compris pourquoi j'avais pas trouvé le... Bon, ouais, le roi s'est échappé. Donc là, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas trouvé le coffre. On va essayer de le chercher. Peut-être que j'ai mal regardé en faisant le tour. On va vraiment faire le tour comme ça. En plus, je peux pas accéder, moi, à ce côté-là. Là. Parce que là, il n'y a que de la montagne. Ce serait quand même dommage de pas trouver le coffre. Petit mini-kit. Tant pis, on va prendre le... Comme précisé, comme je vous l'ai dit. Ah bah, le voilà. Oui, là, on a de la chance. Et bah voilà. En plus, on a les 20 pièces. On a les 20 pièces. On a tout fait. Et bah très bien, on va pouvoir se laisser ici. Nous avons fini, on a récupéré le coffre, les 20 pièces et la brique rouge.
Et voilà, on aura mis quand même 13 minutes. On a pas mal de pièces maintenant. Hein. Et donc, encore merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi capacité d'unité au max. Très bien, c'est un code triche en fait, les briques rouges, que je n'utiliserai bien évidemment pas. Encore merci, et nous nous retrouverons pour la dernière vidéo de l'acte 1, la prochaine fois. Allez, à bientôt.